Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Star Citizen. On continue les vidéos sur comment gagner de l'argent dans Star Citizen. Alors il reste trois options, on a déjà regardé la première option qui était de ramasser les petits cadeaux de Noël disséminés un petit peu partout. Mais cette option s'arrêtera le 11 janvier malheureusement, même si c'était extrêmement lucratif. Les trois autres options, il y en a déjà deux de buggées en ce moment depuis la 3.12. Quelles sont-elles ? Alors, la première option, c'est le minage. Alors, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on reviendra dessus plus tard. La deuxième option, ce sont les contrats de bounty qui, eux, sont totalement buggés. Depuis la 3.12, surtout si vous faites un reset de compte, vous n'y avez plus accès, ce qui veut également dire que vous n'avez pas accès à la mission de l'Idris, étant donné que vous ne pouvez pas finir les certifications qui font partie des bounty. Il nous reste donc une dernière option, c'est le transport de matériaux. Pour déterminer quelles sont les meilleures routes commerciales, je vous recommande forcément le site SC Trade Tools, que je mettrai dans la description en lien. Ce site vous permet de repérer rapidement ce qui va être rentable ou pas rentable pour vous. On va se concentrer, nous, aujourd'hui, sur le transport de la Laranite. Alors, pourquoi je vous disais qu'il y avait deux options buggées en ce moment ? Il faut savoir que le transport est également buggé depuis la 3.12. En fait, le problème, c'est l'état des stocks qui est minuscule. Alors, la route que je vais vous proposer aujourd'hui, elle se fait en Caterpillar en environ 15 minutes, entre l'Orville sur la planète Hearthstone et la planète Arial qui tourne autour, qui va contenir deux avant-postes, Latan et Besdek, sur lesquels vous pouvez acheter de la Laranite. Il faut savoir que cette route est la plus rentable, étant donné qu'elle se fait en moins de 15 minutes, que vous allez devoir dépenser 1 440 000 UEC, attention avec le risque de 30K, c'est une route commerciale qui, voilà, est à prendre avec parcimonie, mais elle va vous rapporter 346 176 UEC de crédit net, c'est-à-dire que ça vous rapporte 23 795 UEC par minute. C'est de loin la route la plus intéressante, donc l'Orville Latan sur Arial ou l'Orville Besdek sur Arial. Lors d'une précédente vidéo, vous avez vu que l'équipe des Golden Boys possède 5 Caterpillars, 4 que vous avez vu aller dans une vidéo, mais on en a récupéré un cinquième depuis. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'acheter dans notre équipe la totalité des vaisseaux disponibles à ce jour dans Star Citizen. On travaille donc ensemble, on farm d'arrache-pied 12-14 heures par jour pour atteindre notre objectif, à savoir que 4 Caterpillars remplis de Laranite, aujourd'hui ça rapporte toutes les 15 minutes, presque 1 400 000 crédits. Voilà, c'est très intéressant, mais comme je vous le disais, c'est très buggé en ce moment, étant donné que Latan et Besdek sont toujours vides depuis quelques jours maintenant. La faute à une mise à jour un peu hasardeuse et au partage de ressources sur tous les serveurs. Il faut donc avoir un petit peu de chance, sinon se rabattre sur d'autres ressources un petit peu moins profitables, comme par exemple la statine ou le titanium. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao !
Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou ce garçon. Attention, tu vas embrocher mon vaisseau. Ah mais je vais jamais réussir à sauter sur la plateforme là. Ah si, putain. Parti là? Ouais, j'arrive sur bientôt sur PO. Il me tourne autour. Je vais essayer, si j'arrive à mettre sur le pad, est-ce que je peux faire le plein là ou pas? Ah oui, je peux faire le plein. Putain, 12 000, 13 000 de plein. Oh. Tu as Terry ou le Riser? J'ai pas encore l'onde, pourquoi? Ouais, ok, non, parce que moi il m'a mis le premier à rêver, merde. C'est pour savoir s'il avait pas mis le temps. Oh merde! Non, mais tu te rends compte, une masse comme ça dans le ciel, s'il arrivait à tourner comme ça? Pourquoi Rob, on t'entend plus, hein, t'es muté, hein? C'est ça. Ah oui, sorry, pardon. Ah bah oui, je lui parle. Encore une fois, je parle pour rien. Ah mais faut pas être pressé le plein par contre. Ouais, avec le cutter c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va réussir à faire péter nos vaisseaux. Il va y arriver. Il va y arriver. d'hydrogène, tu te rends compte le temps qu'il faut? Tu fais quoi? Tu essaies de te rapprocher plus de moi pour qu'on se voit dans la vitre, c'est ça? Merde, il est fou.
Hop 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 hop. Je m'éloigne, je m'éloigne. Allez, je suis plat. Je décolle. Oh putain, il est contre moi. Oh non. Je te laisse la place. T'as besoin de faire le plat toi ou pas? Non, 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 je suis full. On peut décoller. La soute pleine. Je te vois quand tu ouvres devant moi. Ah ouais? Ah ouais, regarde derrière toi à 5h. Je suis derrière toi. On est bien en double. Ah ouais, ok, c'est ça l'aura que je vois, c'est toi. Ah ouais. Ah ouais, putain. On est en double quantum. Savoir que c'est là-bas parce que sinon ça peut être comme un couillon. Ouais, tu peux le chercher hein, si tu vois pas le faire. Le pire c'est la nuit. Ouais. Oh putain, c'est une heure du mat déjà. T'inquiète, je vais étouffer tout flamme. Ah, vous êtes à... au tech. Ouais, comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire. Sérieux, c'est un tout petit truc qu'on rentre dedans. T'as dit que c'était comme à l'ordinaire. On a pas cru. Mais Amazon, toujours plus, ils ont collé l'étiquette du colis sur le carton des rames. Mais ça rentre pas. Parce que la tempête m'a fait un petit peu ouais. Si, bah ouais, nickel. Jamais j'en ai douté. Oh, elle est grandiose celle-là, c'est la plus belle. Hein.
En fait, on dirait que c'est un Italien en train de nous expliquer quelque chose. Là, vous voyez, ma bite, elle est grosse comme ça. Ça y est.